On a commencé à apprendre nos prénoms, j'ai eu quelques petits amis. Alors en fait, on a fait de l'écriture et des coloriages. Si vous voulez une rentrée un peu particulière, mais donc une rentrée qui nous donne satisfaction, puisque nos effectifs sont en légère hausse, aussi bien sur la maternelle que sur l'école élémentaire. Nos directeurs ont maintenu un protocole qui nous convient tout à fait. Ils ont gardé le protocole sanitaire qui était en vigueur au mois de juin, avec le lavage des mains, avec le regroupement que l'on évite, des sens de circulation, la distanciation. Enfin, tout de même, on a vu que nos élèves ce matin, j'ai remarqué que personne ne pleurait, que tout le monde était très content de revenir à l'école. Et je pense que le retour à l'école s'est fait d'une manière massive. C'était un peu dur, parce que c'était très strict. Il faut mettre le masque, il faut se nettoyer quand on sort et quand on rentre. Pendant tout le confinement, on en a discuté, pendant les vacances aussi, on en a pas mal parlé. Et puis pour préparer les sacs, c'était un peu différent parce qu'on a mis le gel hydroalcoolique, les bouteilles d'eau. Donc il y avait quand même plus de choses à penser. Mais finalement, elles étaient prêtes. Oui, on venait séparés. Les tables sont séparées à 1 mètre et on se lave les mains avant d'y aller en récréation. Après, quand on sort de la récréation, on se relave les mains et après, on y va en classe. Et là, je travaille bien, j'ai commencé une très belle année et j'aime bien. Alors, Moutier est une commune avec une densité d'éducation qui est importante puisque plusieurs établissements sont ici installés sur un ensemble d'à peu près 2500 élèves. Pour atteindre ce chiffre de 2500 élèves, on a les écoles d'abord de la commune avec l'école maternelle, l'école élémentaire. Ensuite, l'école et collège Sainte-Thérèse, donc qui sont les établissements privés, le collège Jean Rostand et le lycée Ambroise Croizat. Et donc l'ensemble représente 2500 élèves à peu près. On en est maintenant à faire les derniers comptages de la rentrée.